Nous aurions été heureux de vous accueillir sur ce beau site des pyramides. Malheureusement, la situation actuelle avec la crise de la pandémie de la Covid-19 ne nous permet pas de nous réunir. Cependant, nous avons voulu vivre ce culte fédératif autour du thème « Une église qui rayonne dans le monde » et vous l'offrir chez vous. Nous sommes ravis que les différents intervenants qui se réjouissaient de venir nous rejoindre pour cette deuxième convention aient pu nous envoyer leur message. Le révérend Oh de Séoul en Corée du Sud, le pasteur Corneille Gâteau du Rwanda et le docteur Denis Mukwege depuis son hôpital de Panzi en RDC. Nous avons aussi la joie de partager ce culte et nous les en remercions avec différents intervenants et musiciens issus des églises de notre fédération. Merci à tous pour leur participation. Pendant ce culte, nous allons entendre des témoignages concernant ce monde que Dieu aime, en chantant notre louange et en nous mettant à l'écoute de Dieu pour être celles et ceux qui suivent Jésus aujourd'hui encore. Pour commencer ce culte, nous voulons dire ensemble ce qui nous rassemble à travers les mots du texte de l'Alliance fédérative. Je laisse le pasteur Thierry Auguste, président de notre fédération, et la pasteur Nathalie Guillet, vice-présidente de notre fédération, nous conduire dans ce temps de proclamation du texte de l'Alliance fédérative. Je vous souhaite un très bon culte et que le Seigneur nous bénisse. Rendons grâce à Dieu pour la Fédération de nos Églises évangéliques baptistes de France. Nous reconnaissons que le Seigneur nous a unis les uns aux autres en faisant de nous des frères et des sœurs en Christ qui s'aiment et veulent vivre ensemble une communion fraternelle bienveillante. Faisons alliance pour répondre à l'appel de Dieu et le servir fidèlement en veillant à nos responsabilités les uns envers les autres. Avec l'Église universelle, nous portons la mission que Dieu le Père nous confie de proclamer et vivre l'Évangile de Jésus-Christ, comptant sur l'aide de son Saint-Esprit qui nous remplit de force et de compassion pour l'humanité entière. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Conscients de notre faiblesse et de notre vulnérabilité, nous nous soumettons les uns aux autres dans l'humilité. Par une écoute attentive, une exhortation mutuelle et une solidarité conséquente, nous voulons ainsi discerner les missions que le Seigneur nous confie. Restons joyeux et sûrs de son amour. Oui, nous croyons que Dieu est bon et qu'il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Sa vie jaillit au milieu de nous au travers des dons, des ministères et de la générosité de tous, afin que nos instances, nos églises et nos projets fédératifs soient porteurs de vie. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur bénisse notre alliance et qu'il la rende forte et visible. C'est lui. Venez, crions au Seigneur notre joie. Acclamons notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec reconnaissance. Acclamons-le en musique. Car le Seigneur est un grand Dieu, un grand roi. Car le Seigneur est un grand Dieu, un grand roi qui domine tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui aussi, la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre. Et la terre qu'il a façonnée de ses mains. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur, car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Car le Seigneur est un grand Dieu, un grand roi, car il est son Dieu, sont à lui. Nous sommes aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit, c'est lui. Thank you.
Père, Seigneur de l'univers, nous t'acclamons. Tu es juste et droit, et la terre entière trouve en toi la lumière qui éclaire son chemin. Nous célébrons ton grand amour exprimé à travers la créativité et la diversité du monde. En Jésus-Christ, nous sommes saisis par la clarté, la beauté et la cohérence de ta parole. Seigneur, devant toi, nous constatons aussi nos lassitudes, nos erreurs, nos péchés. Sans ton amour, comment pouvons-nous trouver le chemin de la vie? Pardonne-nous et purifie-nous. Seigneur, envoie dans nos cœurs ton Esprit Saint, afin que nous puissions marcher à ta suite et devenir ainsi disciples et témoins de celui qui est le Seigneur et le Sauveur du monde. Amen. La Convention nationale de notre fédération est une occasion privilégiée pour découvrir la diversité et la richesse des talents que décèlent nos communautés. Xavier Aigon, membre de notre église à Alès, en fait partie. Enseignant en EPS, cet art des choix de pure souche met au service du Seigneur ses talents d'artiste peintre. Et Xavier aime en particulier laisser vagabonder son pinceau et ses gouaches au rythme de chants de louanges qui lui inspirent sa toile, comme ici avec le prochain chant « Quelle grâce incomparable ». Avec Xavier, c'est toute la grâce de l'artiste pour exprimer la grâce infinie du Créateur. Par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix. Tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en fille, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Oh, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, oh Jésus, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix.
qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Ensemble, disons digne et l'agneau. Digne et l'agneau immolé. Digne et le roi vainqueur sur la mort. Digne et l'agneau immolé, il dit. Digne et le roi vainqueur sur la mort. Digne et l'agneau immolé, il dit. Digne et le roi vainqueur sur la mort. Digne et l'agneau immolé, Jésus, tu es digne. Quel amour infini que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, oh, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Hello, this is Noel Tredinnick speaking to you from London. I'm the conductor emeritus for almost 50 years of All Souls Orchestra, a band of Christian men and women who love to use music, music of so many styles, to lift high the name of Jesus Christ. And what a joy in prospect to come and join you, Baptists in Paris, all gathered together as we sing the praises of God in a wonderful way. You know, music is Christ's gift to his church, to touch not only our minds, but our emotions, to lift our hearts to the throne room of grace. We address the Lamb upon the throne in wonderful songs of worship. We love contemporary music. We love classical music. We bring it all together, all inspired by the Holy Spirit of God. And we pray that in the spirit of Psalm 98, that we'll be singing to the Lord a new song with tambourines and dancing and trumpets and strings and flutes, all making melody and music in our hearts to God, deep worship, the music of deep throne room, heavenly music here on earth. We bring you love, we send you greetings, and very soon we pray God will allow us to be together. May you be strengthened, may you be guarded and guided by the Spirit, and to him we sing the praise, as he does, of the Lamb upon the throne, the Lord Jesus Christ. God bless you all in the name of Christ, and we'll see you soon. Bye-bye.
Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je manifesterai ma gloire. » Mais j'ai dit, « J'ai peiné en vain, j'ai dépensé ma force pour le néant, la futilité. Cependant, ma cause est auprès de l'Éternel. Ma récompense est avec mon Dieu. » Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, lui qui m'a formé dans le sein maternel pour être son serviteur, pour ramener Jacob vers lui, pour assembler Israël auprès de lui, afin que je sois honoré aux yeux de l'Éternel, mon Dieu, qui est devenu ma force. Il a dit, « Cela ne suffit pas que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et restaurer la descendance d'Israël. Je ferai aussi de toi une lumière pour les nations, afin que mon salut se répande jusqu'aux extrémités de la terre. » Le thème de notre convention, une église qui rayonne dans le monde, nous encourage à ouvrir notre horizon au-delà de nos frontières. Nous aurions ainsi eu la joie d'accueillir plusieurs intervenants de pays différents sur le site des pyramides en région parisienne pour ce week-end particulier de l'Ascension réservé de longue date dans l'agenda de nos églises. Ne pouvant malheureusement pas être des nôtres à cause de la situation de crise sanitaire, le pasteur Gâteau Corneille nous a envoyé son message dans une vidéo dont la qualité ne permet pas sa diffusion. Pour autant, je vais me faire ici le porte-parole du pasteur Gâteau en vous livrant le plus fidèlement possible l'essentiel de ce qu'il a voulu partager avec nos communautés. Le révérend Gâteau Corneille a servi les églises baptistes du Rwanda pendant de nombreuses années comme secrétaire général de l'Union des églises baptistes du Rwanda. Et il est actuellement engagé au Congo Ouest dans un programme pour la paix et la réconciliation. Au début de son intervention, le pasteur Gâteau a tenu à remercier notre fédération pour son invitation à venir partager sa convention, visite que la crise du coronavirus n'a malheureusement pas pu permettre. Au chapitre 49 du livre d'Ésaïe, d'où a été tirée la lecture faite précédemment par le comédien Thierry Kazazian, l'Éternel évoque le salut des enfants d'Israël, alors en exil dans le royaume de Babylone. Malgré leur abandon par Dieu, le Tout-Puissant pense néanmoins toujours à leur salut. Le Seigneur continue de penser à eux, malgré leur indélicatesse et leur désobéissance. Et par leur repentance, Dieu pourvoira un Messie qui les ramènera dans leur pays. Dans les versets 1 à 2 de notre texte, au chapitre 49 du livre d'Ésaïe, Dieu libérera Israël en exil par le Messie. Et cette image du Messie pour Israël sera plus tard à l'image du Christ qui sauvera l'humanité tout entière. Il sera pour tous ceux qui lui confieront leur vie, leur Seigneur et Sauveur. Ce texte affirme même que ceux qui ont cru en lui deviendront ses serviteurs et que Dieu nous a appelés dès notre conception dans le ventre de notre mère. C'est cela même qui nous qualifie et qui nous donne le nom de serviteur, nom qui appartient au Messie. Tout comme Dieu avait préparé Israël à être son serviteur, même quand ce dernier était en exil, nous aussi, au travers du Christ, nous sommes appelés à servir parmi les nations. Dieu nous a créés en vue de prendre des responsabilités pour les autres. Le philosophe français Emmanuel Lévinas parle aussi de notre responsabilité vis-à-vis des autres, rappelant que Dieu nous veut ainsi responsables dans toutes les dimensions de notre vie. Par sa parole porteuse d'espérance pour les nations, nous ne sommes pas seulement ses serviteurs, car il promet aussi de nous protéger pour que nous accomplissions sa mission. Dieu fera aussi connaître Israël aux nations. Notre salut en Jésus, que Dieu a préparé d'avance, nous renvoie à notre témoignage chrétien au milieu des nations,
De même, le changement que le Saint-Esprit opère en nous devient aussi un signe que la splendeur du Seigneur se manifeste toujours à travers nous. Soyons donc obéissants à l'appel de Dieu. En effet, l'efficacité de notre rôle de serviteur, comme l'a planifié Dieu, dépend aussi de notre reconnaissance et de la reconnaissance de nos erreurs. Au verset 4 du chapitre 49 du livre d'Ésaïe, Israël, en exil, se souvient de son tort, à savoir sa désobéissance envers l'Éternel. Israël reconnaît alors son péché et s'en repent devant Dieu. Péché qui a amené le peuple à ne pas confesser Dieu comme le Dieu puissant et compatissant. Nous aussi, parfois, nous avons honte de témoigner de notre foi en Christ dans la réalité de notre quotidien. L'influence du monde séculier tend à nous engloutir et à nous faire oublier la mission qui nous a été confiée par Christ en Matthieu 28, verset 19. Mission qui nous invite à témoigner du Christ en parole, mais aussi à vivre par nos actions notre conviction. Les gens ont besoin du Christ comme le Créateur de toute vie. Israël, dans son exil, se souvient que Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Dans la situation du coronavirus, le Seigneur reste fidèle à sa promesse et il ne nous abandonnera pas. Il nous veut toujours obéissants à son service, à réconforter ceux qui sont dans le désespoir et qui ont peur du lendemain. Dieu ne nous voit pas seulement comme ses serviteurs, mais aussi nous revêt de sa lumière et de sa force et de sa gloire pour que nous éclairons les nations. Notre mission a été préparée par Dieu dès notre conception. Il nous appelle à la repentance, chemin de notre restauration. Et sa parole qu'il nous a transmise est une puissance pour transformer le monde. Et la gloire dont il nous revêt est un signe pour encourager le monde à revenir à Dieu. Notre mission, éradiquer la pauvreté, plaider pour un monde de justice et de paix. Nous sommes l'espérance des nations, à partir du moment où nous restons toujours fidèles à Dieu, parce qu'il nous a promis de nous utiliser pour le bien de sa gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, toi notre Père créateur de l'univers, nous souhaitons te remettre ce monde qui vit un temps sombre, humainement et économiquement. Nous voulons te remettre les autorités qui nous gouvernent afin que tu puisses leur apporter ta sagesse qui concerne les décisions et les directions à prendre. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, toi qui nous accueilles comme frères et sœurs, faisant partie d'une même grande famille, nous te demandons de nous permettre de faire briller et rayonner la lumière que tu as déposée en nous, lumière d'amour, fondement de notre communauté. Que nos communautés, ton corps, puissent rayonner selon ta volonté sur toutes les nations de ce monde. Viens apaiser et encourager nos communautés afin que nous ayons la force et la passion d'accomplir la tâche que tu nous donnes. Seigneur, tu nous as appris le don de soi et le service au travers de ton Fils Jésus-Christ. Par l'Esprit Saint, aide-nous à chercher ta ressemblance. Fais de nous des serviteurs passionnés, aimants et humbles, pour que notre témoignage rayonne dans notre Église, dans notre ville, dans notre pays et dans le monde. Amen. Il priait Dieu, son Dieu, au-delà de lui-même et non pas au-dehors, au-delà, au-dedans. Thank you.
Tu es mon Dieu. Ô Dieu, tu es mon Père. Tu es aux cieux et je suis aujourd'hui sur terre pour célébrer, faire connaître ton saint nom. Fais que je puisse de mes mains hâter ton règne, que mon vouloir se fonde dans ta volonté en ce monde visible comme en l'invisible. Le pain des hommes, c'est bien plus qu'un aliment. Jour après jour, donne-le-nous. Pardonne-leur. Je suis venu pour soulager leurs lourdes dettes et sauver l'homme en me chargeant de ses péchés. À ce salut, ce grand pardon, qu'il collabore. Père, tu es mon Dieu. Ô Dieu, tu es mon Père. Tu es aux cieux et je suis aujourd'hui sur terre pour célébrer, faire connaître ton saint nom. J'ai soupesé la tentation. Épargne-leur. Épargne-leur de se laisser subjuguer, dominer par elle. Délivre-les de ce mal et de ce malheur, ce maléfice qui sans trêve les soumet. Dieu de pitié, Père puissant, Roi de lumière, je suis ton fils et ton proche, tu es mon Père. Ton envoyé, ton éloigné, ton exilé. Maintenant même et à l'heure du grand tourment, Père, tu es esprit. Je n'ai d'autre espérance. Ô Dieu, tu es mon Père. Tu es aux cieux et je suis aujourd'hui sur terre pour célébrer, faire connaître ton saint nom. Père, tu es mon Dieu. Ô Dieu, tu es mon Père. Pierre angulaire, solide rempart.
Pasteur, chers frères et sœurs dans la foi et l'espérance, bonjour. Je suis honoré de pouvoir vous parler aujourd'hui. Il était prévu que je sois avec vous à la convention qui aurait dû avoir lieu en cette date, mais la situation sanitaire mondiale n'a pas permis. Néanmoins, je suis heureux de savoir qu'en tant qu'Église, nous pouvons ensemble prier et demander la grâce de Dieu pour notre monde en souffrance. Plus que jamais, le rôle de l'Église est d'une importance capitale dans ce monde qui a besoin de paix, de salut, de corps et d'esprit. En ces temps d'incertitude, je pense à ces passages des Actes des Apôtres où l'apôtre Paul et ses compagnons de mer connurent un voyage difficile. Le vent soufflait avec une telle violence que l'équipage perdit la maîtrise du navire. Sous l'assaut des vagues, les bateaux endommagés étaient en péril. Les voyageurs, agités, assistaient impuissants au naufrage de leurs espoirs. La mort guettait. Alors, inspiré par la révélation de l'ange, l'apôtre Paul s'est mis debout et dit, le Dieu que je sers m'a dit, ne craignez rien, prenez courage et mangez, car certes nous perdrons la cargaison et les bateaux, mais aucun des passagers ne mourra. Cette parole de l'apôtre Paul nous interpelle en ces temps de tempête du coronavirus sur notre présence dans ce monde qui vacille, ce monde qui va mal. C'est vrai que j'aurais bien voulu vous entretenir de notre devoir et du travail que nous faisons depuis longtemps pour soigner et accompagner les femmes victimes de violences sexuelles sur leur chemin de la reconstitution et de la résilience. Mais aujourd'hui, nous sommes en face de des défis, à savoir ces problèmes de violences sexuelles qui malheureusement perdure, mais aussi cette pandémie qui menace le monde entier. Dans les deux cas, l'Église a une responsabilité à assumer.
L'Église ne doit pas rester indifférente. L'Église doit agir là où l'humanité souffre. L'Église doit être attentive aux cris de ceux qui peinent et faire sa présence une promesse. En ces temps difficiles, pour de nombreuses femmes et nombreux hommes dans le monde, j'exhorte chacun de nous à la compassion, à continuer à entretenir la flamme de l'espérance et à apporter de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Je suis persuadé que c'est dans la communion que nous faisons l'Église et contribuons à bâtir un avenir plus radieux pour nos frères et sœurs en humanité. Portez-vous bien et soyez bénis. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les mondes, ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sonde, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai.
tu as souffert pour me sauver. En cette période de pandémie de Covid-19, il est fréquent d'entendre le mot « distanciation ». Il veut dire être sans contact avec une autre personne. Malgré cette société qui encourage la distanciation, je prie et espère que vous soyez unis avec le Seigneur dans l'amour, la communion spirituelle, la gloire du Seigneur et dans la même dimension de l'amour de Dieu. Si vous aimez le Seigneur avec pureté comme Marie, le Seigneur nous donne de la joie. Les disciples d'abord craintifs sont devenus sans crainte. Il est écrit dans Pierre 1, verset 8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Quand vous avez de l'amour pour Dieu, alors la joie jaillit. Nous sommes nés dans le péché, et à cause du péché, nous étions des enfants de colère, séparés de Dieu. Mais par la croix d'amour et de grâce, nous avons été restaurés pour voir de nouveau le Seigneur. J'affirme que l'amour pour Dieu est équivalent à la joie qu'il donne. La taille de l'amour détermine la taille de la joie. Quand vous avez un amour pur pour le Seigneur, le Père devient votre Père. Mon Dieu devient votre Dieu. Le Seigneur nous donne la bénédiction de l'éternelle famille. C'est de là que provient l'idée d'un Dieu qui est Père. Seul le christianisme appelle Père le Dieu créateur. On n'entend cela dans aucune autre religion. Ainsi, l'amour de la croix avec la puissance de la résurrection de Christ nous permet d'appeler Dieu notre Père. Ce n'est pas grâce à ma puissance ou à mes capacités, mais c'est parce que le Seigneur devient notre Père et œuvre pour nous. En appelant Dieu notre Père, j'exprime une réalité spirituelle et notre foi abonde toujours dans nos vies. Je prie que ce privilège et cette grâce se poursuivent toute notre vie. Avant la résurrection de Jésus, il appelait ses disciples ses brebis. Après sa résurrection, chaque fois qu'il appelle ses disciples, il les appelle mes frères. Jésus a renouvelé leur statut de brebis à frères. Par le sang de Jésus, nous sommes tous devenus frères et sœurs. En Jésus, nous sommes une famille éternelle. Pierre donne encore une salutation semblable. Il dit « Mes frères bien-aimés que le Seigneur aime ». La théologie de Paul était aussi une théologie fraternelle. Dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tout le corps est uni en Christ. Quand un membre est honoré, tous les saints se réjouissent. C'est la grâce débordante de Dieu. Une famille spirituelle signifie que nous sommes une famille éternelle. »
En famille, nous partageons à la fois la gloire et la souffrance. Nous sommes une famille éternellement unie. Nous partageons la vie éternelle et l'héritage qui vient de Dieu. Je pourrais même dire que nous sommes une famille nouvelle. Celui que le Seigneur recherche, c'est celui qui aime sa famille spirituelle. Quand Jésus a demandé « M'aimes-tu ?» trois fois dans Jean 21, versets 15 à 17, Jésus recherchait l'amour le plus pur. À quel point aimez-vous Jésus selon vos capacités et votre consécration? Voilà ce que le Seigneur recherche. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Si je n'arrive pas à aimer le Seigneur à 100%, devrais-je être découragé? Au moins à un moment dans votre vie, vous devriez aimer le Seigneur à 100%. Nous avons le grand commandement de l'amour. Nous avons le grand commandement de témoignage. Je prie que votre vie soit remplie d'objectifs. Je prie que vous puissiez accomplir le grand mandat d'amour qui rejaillit sur le grand appel à témoigner. Nous arrivons à la conclusion de notre culte. Je vous laisse un passage du livre d'Ésaïe au chapitre 41, le verset 10 que vous connaissez bien, dans lequel le Seigneur dit à son peuple « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans ces temps particuliers où l'incertitude plane sur nous, sur nos vies, nos économies, nous avons besoin d'entendre et de réentendre ces paroles. Oui, le Seigneur Dieu, comme la nuée dans le désert, comme un aigle qui porte ses petits, étend ses ailes sur nous. Il nous garde dans sa paix et il nous accompagne sur la route de telle sorte que par son esprit nous sommes rendus capables d'agir, de parler, de communiquer son amour et sa grâce au monde qui nous entoure et qui a besoin d'espérance. Voici donc, la grâce de Dieu est sur moi, sur toi, sur chacun d'entre nous, pour t'aider, pour nous aider à marcher dans ses voies. Tu as reçu tout son pardon, sa bénédiction. Va en paix, dans l'amour, dans la joie. Amen. J'espère que vous avez vécu un beau temps de culte en compagnie de toutes celles et de tous ceux qui ont permis sa réalisation et sa diffusion. Au nom de notre Fédération Baptiste, j'aimerais exprimer toute notre reconnaissance aux intervenants présents sur écran comme actifs dans l'ombre. Permettez que je cite en particulier Olivier Chamard, directeur du Studio des Cèdres, et Jean-Luc Gadreau, notre responsable com. Une église qui rayonne dans le monde, c'est une église qui rayonne partout et malgré tout. C'est aussi des communautés au service des plus vulnérables de nos sociétés. En ces temps où la crise sanitaire ouvre sur une crise sociale et économique majeure, nous encourageons tous les membres de nos églises à s'engager pour toujours plus de solidarité. Nous allons bientôt pouvoir à nouveau ouvrir nos lieux de culte, toujours dans le respect des gestes et des mesures de sécurité sanitaire. Pour autant, n'oublions pas d'ouvrir nos cœurs pour un témoignage qui rende gloire au Dieu qui s'est fait proche de nous en Jésus-Christ. Soyez bénis et soyons toujours en bénédiction. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul.
que sa fave reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa fave reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa fave reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille.